Deux jours déjà passés, après le retour du président Laurent Gbagbo annoncé en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo profite de l'occasion et frappe un coup dur au président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo opte d'une grande victoire contre le RHDP. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Peu de personnes paraissent sur son retour en Côte d'Ivoire au lendemain de son transfert en novembre 2011 à la Cour pénale internationale, en abrégé CPI. Mais depuis ce jeudi 17 juin 2022, soit 10 ans après, le président Laurent Gbagbo est de retour sur la terre de ses ancêtres en Côte d'Ivoire après avoir été acquitté définitivement par la Cour pénale internationale, en abrégé CPI. Le bruit assourdissant des vagues de la mer de Port-Brest n'a donc pas malheureusement empêché l'avion ramenant l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo de Bruxelles de se poser sur le terrain de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président Laurent Gbagbo, l'homme à l'incroyable destin, s'est même offert le pavillon présidentiel que le chef de l'État sortant, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, lui avait réservé pour les besoins de son accueil. Mais Laurent Gbagbo a refusé. Le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, Issiaka Diaby, qui faisait feu de tout bois à 24 heures du retour de l'ancien chef de l'État sortant, ivoirien, est introuvable présentement dans les rues d'Abidjan. Issiaka Diaby a disparu. Il en est de même de certains membres de la direction du RHDP, notamment le directeur de l'exécutif Adama Bitoukou et le député Dat Sanson, qui avait promis faire d'une grande bouclée l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo si celui-ci obtenait à se faire accueillir triomphalement par des partisans. 24 heures déjà passées, après son retour triomphal en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a bel et bien passé la nuit chez lui, à la maison et non à la prison civile de Yopougon, comme Issiaka Diaby avait fait ces dernières semaines son programme d'activité contre le président Laurent Gbagbo. Pareil pour le président Alassane Ouattara, une nouvelle victoire de l'ancien prisonnier de la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, qui a fait débarquer à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Emmanuel Alti. Avocat principal du président Laurent Gbagbo et sans oublier Maître Abiba Touré, son équipe de défense, au cas où la procédure judiciaire reprenait en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo remporte ainsi une grande victoire contre le RHDP.